c'est Michel qui nous rejoint. C'est pour une grande fête du cheval à Trimbar Oval. Un petit peu essoufflé là, Michel? Un peu, oui. Bonjour Lionel. Ça va bien? Ça va, il n'y a pas de problème. Voilà, ce sont, et on le voit sur son t-shirt, c'est des cavaliers de rêve que vous êtes. Des cavaliers du rêve. Voilà, ça va se passer le 3 juillet. Il était une fois dans l'Ouest, c'est un grand spectacle. On a envie que vous veniez très nombreux. Qu'est-ce que ça va raconter ce spectacle? Alors, c'est un spectacle qui durera une quarantaine de minutes et dans lequel on va essayer de raconter un peu ce qui se faisait à l'époque de la conquête de l'Ouest. Et surtout, nous allons mettre en scène trois groupes de personnes, des cow-boys, la cavalerie avec de superbes uniformes, et puis surtout un groupe de Mexicains en folie. Ce sont une dizaine de personnes, de très très bons cavaliers, qui vont nous faire de très très belles cascades avec leurs chevaux. Ça va être superbe. Voilà, il y a par exemple un anneau de feu. Il n'est pas terrorisé, le cheval, sauter dans le feu? Au départ, on a commencé très lentement. On a commencé d'abord avec un anneau sans feu pour déjà les habituer à passer au travers de l'anneau. Et puis ensuite, on a commencé avec des flammes toutes petites qui devaient faire 2-3 cm. Et puis au fur et à mesure, les flammes ont grandi. Et puis là, maintenant, l'anneau est bien, bien enflammé. Et les chevaux passent difficilement au départ. Et puis après, ils passent vraiment sans aucun problème. C'est un grand spectacle pour petits et grands à ne pas manquer? C'est un très, très grand spectacle. On a mis une année à le préparer, que ce soit pour la confection des costumes ou que ce soit pour la mise en place, l'écriture du scénario, la recherche des musiques. C'est un spectacle de très grande qualité et vraiment, vraiment, il faut venir le voir. Alors, il y a également des tours à cheval, en calèche, il y a de la voltige. Il y a de la voltige. Alors, la voltige est réalisée par trois cavalières de la vallée. Ce sont des jeunes qui font de la voltige par plaisir et qui vont nous montrer là aussi quelque chose de quasiment professionnel. C'est très très joli et en plus elles vont en deuxième partie nous montrer les travaux qu'elles font avec des chevaux en totale liberté. C'est sublime. Alors Trimbar Oval, c'est donc le 3 juillet, hein, fin de semaine. Ça va se balader après, hein. Ça sera du côté de Nordheim en août. Alors les Cavaliers du Rêve vont animer également d'autres fêtes du cheval. Alors la fête du cheval de Nordheim le 14 août. Et puis la fête du cheval de Grisheim-Premolsheim, ce sera le dernier dimanche d'août également. Et puis le second dimanche de septembre, ce sera à Ostouz, à la fête du cheval d'Ostouz. Voilà, il faut savoir que ces garçons sont des vrais passionnés, ce sont des bénévoles et ils le font gratuitement. Oui, absolument. Ça, c'est on essaie, dans la mesure du possible, de tout faire gratuitement. On rentre un petit peu d'argent lors des restaurations, des fêtes du cheval que l'on organise, mais le principe même, c'est la gratuité. Avant de se quitter, est-ce que c'est possible, si je te reprends le micro, que tu montes debout sur ton cheval? Ah oui, c'est un problème, bien sûr. Voilà, on vous a dit, ce sont de vrais artistes. Voilà, le cheval ne bouge pas. Michel est tout en haut. Voilà, c'est sympa, non, hein? C'est ce qu'on voulait vous montrer. À ne pas manquer, les infos se sont affichées sur l'écran. Toi, t'es tout beau, toi.